Honorable Chair and honorable ministers, distinguished delegates, as I mentioned earlier on, this next perhaps maybe 20 minutes or a bit more is the second Pacific Islands Environment Leadership Awards. And these awards are the only Pacific region focus environmental awards that there are, and it was established in 2013 by SPREP. The awards recognize, promote, celebrate outstanding contributions of individuals, communities, non-governmental organizations, private enterprises, and countries and territories towards achieving an environmentally sustainable and resilient Pacific. The awards are given to outstanding achievement in the following thematic areas related to environmental sustainability in our 21 Pacific Island member countries. These include biodiversity and ecosystem protection, environmental governance, climate change adaptation and resilience, and waste management and pollution control. The categories awarded in the second Pacific Islands Environment Leadership Awards are national leadership in environmental sustainability and conservation by an individual, community leadership in environmental sustainability and conservation, youth leadership in environmental sustainability and conservation, lifetime achievement, and overall champion of the Pacific. The celebration of the Pacific Environment Leadership Awards was originally planned to be held at the 10th Pacific Islands Conference on Nature Conservation and Protected Areas in New Caledonia of last year. This conference was postponed but then held virtually. We had hoped we could bring together the recipients of the awards to celebrate this at a live event. The global pandemic continued, and that brings us to today, where we will announce a total of 14 winners from across 7 countries as part of the high-level segment of the virtual 30th SPREP meeting. Chair and honorable members, I'd like now to introduce nominee of the Honorable Minister from New Caledonia, Mr. I'd like to introduce Mr. Charles Weir. Unfortunately, the Honorable Minister is not available to make the announcements. Mr. Charles Weir will be doing the needful on his behalf today. Mr. Weir is currently the advisor to the President of the New Caledonia Government. He is an elected official of the Loyalty Islands Province since 2009, and has worked in the Loyalty Islands Province and the New Caledonia Government from 2001 to 2014. He is a representative for New Caledonia at the Melanesian Spearhead Group for 15 years. I'd like now to call upon Mr. Charles Weir to make the announcements for the winners. Mr. Charles Weir, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Chair, and I would like also to and take this opportunity to say hi to everybody. As you know that, as the Chair said, that the Minister would not be able to be here with us to announce the winners because we have actually a lockdown since 3 days now because of the COVID, and I will be taking his responsibility to talk on his behalf and also the President of the Government of New Caledonia. So in relation with the subjects concerning the winners, so I'm going to talk in French, unfortunately, because I've got a paper here that has been prepared by my colleagues. Bonjour à tous. Au nom du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous offrez à la Nouvelle-Calédonie de remettre le prix océanien pour la protection de l'environnement en tant que pays hôte de la 10e conférence du pays insulaire pour la conservation de la nature et des aires protégées qui a lieu en novembre 2020 à Nouméa. Cette deuxième édition du prix océanien pour la protection de l'environnement met à l'honneur 14 lauréats qui contribuent ou ont contribué tout au long de leur carrière et ou
vie et protéger ou à protéger l'environnement. En tant que maître de cérémonie de ce prix cette année, nous avons fabriqué les trophées par un jeune talentueux artiste sculpteur calédonien, Melem Tiaou, originaire d'Ouvia, qui a vendu ses premières sculptures à 6 ans. Toute sa famille, parents, frères et sœurs, sont également sculpteurs. Sur ces statues, Melem, I've got here in front of you, if you can see the picture, représente la biodiversité totem du pays. Tout d'abord, le kagou représente les espèces endémiques et toutes les espèces en voie de disparition et leur capacité à s'adapter en fonction de leur environnement. La tortue représente la longévité. La raie est un symbole de voyage et les fleurs caractérisent la beauté de notre pays. Donc, nous allons maintenant procéder à la remise des prix. Les 14 lauréats du prix Océania pour la protection de l'environnement sont répartis en 5 catégories. La première catégorie du prix Océania pour la protection de l'environnement est le prix d'excellence du leadership national en matière durabilité et de conservation de l'environnement, qui est décerné à 3 lauréats. Le premier lauréat est le docteur Patrick Picacha des îles Solomon. Le docteur Patrick Picacha est maître de conférences en écologie à l'École des sciences et des technologies de l'Université Adventiste du Pacifique à Port-Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages richement illustrés, notamment Shore to Shore, Wildlife and Landscapes of Solomon Island, Wild West Rainforest of Western Solomon Island, et co-auteur de Forks of the Solomon Island et Solomon Island Forest Life. Il a également fondé le magazine Mélanesian Geo, dédié depuis 15 ans à la diversité biologique et culturelle de la région mélanésienne. Pour le deuxième lauréat est attribué à M. Hubert Géraud de la Nouvelle-Calédonie. M. Géraud a débuté son engagement à WWF en 1992 en tant que co-volontaire pour la protection des tortues marines et le recensement des oiseaux pour un projet de site Ramsar en Guyane française. Il s'est ensuite installé en Nouvelle-Calédonie en 2001 pour participer à la création du bureau WW France, dont il est devenu le responsable en 2010. En 2002, il a reçu le prix de Jeune Espoir pour la conservation, pour le développement d'approches de conservation ambitieuses pour la tribu de Guapin en Nouvelle-Calédonie. Depuis avril 2001, il collabore avec WWF en Nouvelle-Calédonie en tant qu'expert de la conservation et du plaidoyer. Pour ce qui concerne la troisième lauréate, elle est attribuée à Madame Nounia Thomas Moko de Fidji. Elle est défenseuse passionnée de la conservation du patrimoine naturel des îles Fidji et de la durabilité environnementale. Nounia a réalisé plus de 40 évaluations de la diversité de l'aire pétophone des habitats et des menaces aux îles Fidji. En 2007, Nounia a rejoint la nouvelle organisation Nature Fiji Marketivity, l'ONG nationale de conservation des Fidji. Elle a joué un rôle déterminant durant ses premières années de création et a été nommée directrice en 2013, poste qu'elle occupe toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, on félicite à tous les trois d'avoir gagné ces lauréats. La deuxième catégorie du prix Océania pour la protection de l'environnement est le prix d'excellence du leadership local en matière de durabilité et de conservation de l'environnement qui est décerné à trois lauréats. Le premier lauréat est M. Timi Soang de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après avoir été président de l'organisation de conservation communautaire Youth, Timi a été pendant plus de 15 ans responsable de la conservation dans le cadre du protocole de conservation des kangourous arboricoles en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Grâce à son action, Timi a réussi à sensibiliser un public large dans le cadre de l'organisation Youth grâce à la diffusion du message d'éducation à la conservation et à mobiliser des milliers de citoyens pour une utilisation durable des ressources et pour la protection de l'environnement. La première zone de conservation reconnue au niveau national en Papouasie-Nouvelle-Guinée a ainsi été créée en 2009. Pour le deuxième lauréat est M. Henri Kanika des îles Solomon. Henri travaille avec la communauté dans le domaine
de la conservation depuis 10 ans. Il a dirigé la création du parc marin communautaire d'Arnavon, qui a été déclaré premier parc national des îles Solomon en 2017 et a reçu la médaille d'or du Blue Park Award en 2019 par le Marine Conservation Institute en tant que parc marin hautement efficace. Henri a également cofondé l'association SIRA, Solomon Island Rangers Association, et le réseau des femmes Kawaki, qui a permis au parc marin communautaire d'Arnavon d'intégrer la dimension des genres dans son travail de conservation. Et le troisième lauréat est Nature Fiji Marine Captivity de Fiji. Nature Fiji Marine Captivity of Fiji. Donc, Nature Fiji Marine Captivity est la seule ONG locale de Fiji qui œuvre exclusivement pour la conservation et la gestion durable du patrimoine unique de Fiji. Depuis 2007, cette ONG a mis en œuvre plus de 40 projets et a obtenu plus de 5 millions de dollars fidjiens pour des actions de conservation des espèces, de gestion des espèces envahissantes ainsi que pour des zones protégées et la gestion durable des forêts. La mobilisation des communautés locales a permis la mise en œuvre de nombreuses initiatives de conservation réussies, notamment l'interdiction pour les communautés de capturer les chauves-souris menacées, la mobilisation pour la conservation de la forêt avec la mise en place des domaines forestiers permanents, l'élaboration des lignes directrices pour l'exploitation durable du palmier sagoutier et de nombreuses autres activités. Donc, félicitations à tous les trois. La troisième catégorie du prix océanien pour la protection de l'environnement est le prix d'excellence du leadership des jeunes en matière de durabilité de conservation de l'environnement qui est décerné à 4 lauréats, 4 winners. Le premier lauréat est la communauté d'Eracor Bridge, from Vanuatu. La communauté d'Eracor Bridge est située dans une zone périurbaine de Port Vila. Peu de familles sont propriétaires de terrain. La diversité sociale, l'augmentation de la population, du chômage ont donné lieu à des conflits sociaux, à des problèmes de gestion des déchets et à la dégradation de l'environnement. L'initiative volontaire de la jeunesse d'Eracor a permis d'amorcer un changement social et environnemental positif. Les conflits sociaux diminuent, la population des poissons se régénère progressivement et des mangroves sont replantées. Il y a maintenant un sentiment d'unité et de fierté au sein de la communauté et un site d'échange utilisé pour brûler les déchets a été choisi pour construire un centre communautaire polyvalent par les jeunes d'Eracor Bridge. Le deuxième lauréat est M. Solomon Yeo, from Solomon Island. Solomon est un militant pour le climat et diplômé en droit et en sciences politiques à l'Université du Pacifique Sud depuis 2019. Cette même année, avec les étudiants de sa classe, il a lancé une campagne visant à persuader les dirigeants du Pacifique de faire progresser une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies demandant à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur les changements climatiques et les droits de l'homme. Les étudiants ont ensuite fondé l'association Pacific Island Students Fighting Climate Change qui permet de faire avancer la campagne pour laquelle Solomon est aujourd'hui le directeur. Le troisième lauréat est le groupe de jeunes de Matautu, les Fanga, de Samoa. Matautu Youth Group de Lefanga est la seule organisation communautaire de l'île d'Upolu qui offre aux jeunes des formations, des projets de promouvant un environnement sain et des programmes de conservation et de gestion durable afin de réduire les impacts des changements climatiques. L'association possède une ferme biologique permacole et durable. Les membres cultivent des légumes et des fruits biologiques pour garantir leur sécurité alimentaire et les vendre. L'association encourage également la conservation des océans et met en œuvre un projet de culture du corail dans leur zone marine protégée par la replantation de coraux. Et le quatrième lauréat de cette catégorie est l'association Calédoclean de la Nouvelle-Calédonie. Calédoclean est une association de jeunes qui promeut l'éco-citoyenneté dans le cadre des projets et d'actions écologiques participatives. En ce temps, Calédoclean a organisé plus de 300 opérations de nettoyage à travers la Nouvelle-Calédonie et collecté plus de 450 tonnes de déchets, dont au moins 350 tonnes ont été triées et envoyées au recyclage.
Ils œuvrent également pour la revégétalisation et l'éradication des espèces invasives. Ils ont planté plus de 30 000 arbres pour restaurer leurs forêts et ont contribué à la conservation de la biodiversité ainsi que de nombreuses espèces endémiques présentes sur le territoire, dont certaines sont aujourd'hui menacées d'extinction. Je suis particulièrement fier de remettre ce prix à Soubou Bézien, fondateur de cette association. Donc, félicitations à tous les quatre. La quatrième catégorie du professionnel pour la protection de l'environnement est le prix d'excellence pour l'ensemble de leurs réalisations dans leur leadership environnemental au sein du Pacifique est décerné à trois lauréats. Le premier lauréat est le docteur Dick Wetling de Fidji, comme Fidji. Depuis près de 50 ans, Dick Wetling est connu pour son travail de pionnier, ses connaissances, son action et ses publications sur la faune et la flore des îles du Pacifique, la gestion des zones protégées, l'écologie des forêts et des mangroves, la gestion des espèces envahissantes, l'éducation à l'environnement, les études d'impact sur l'environnement et la gouvernance environnementale. Dick a publié des livres illustrés sur la nature pour les enfants, des guides et des travaux savants sur les oiseaux, les palmiers et les autres espèces sauvages des îles du Pacifique. Il a fondé Nature Fiji Medical TVT, l'ONG environnementale locale qui connaît un grand succès au Fiji, et est le mentor de nombreux jeunes environnementalistes reconnus dans la région. Le deuxième lauréat est Madame Toussanile Fayo, le Sefatu Reti de Samoa. Depuis plus de 40 ans, Toussani contribue et joue un rôle déterminant dans l'avancement des programmes environnementaux et de conservation dans le Pacifique. Grâce à son dévouement et à son engagement, il a accompli des réalisations notables, notamment la création de l'Agence pour l'environnement et la conservation des Samoa, dont il a été le premier directeur en 1989. En 2000, il a dirigé le premier projet régional financé par le Fonds pour l'environnement mondial qui a permis de créer 17 zones de conservation appartenant à des communautés dans la région des îles du Pacifique. Toussani joue un rôle clé dans la gestion des aires marines protégées de Savaï ou de celle du district de Lefanga au Samoa et continue à fournir des conseils d'experts et un soutien technique de nombreuses activités dans le domaine de l'environnement et de la conservation au Samoa. Et enfin, le troisième lauréat est M. Hassan Chang Aka, Jean Capé de la Polynésie française. Jean Cap ou Jean Capé, comme on le surnomme, est une figure emblématique de la culture et de la conservation de la biodiversité en Polynésie française. Il est engagé bénévolement dans la préservation de la culture de la nature depuis 1976 auprès de nombreuses associations culturelles et environnementales. En 2012, il a été décoré au titre de chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique française. En tant que monsieur bénévole, monsieur Chang préside l'association Tamariki Te Puka Maruya et Te Reo Ote Tuamotu et le directeur de l'académie Paumotu. Il est également membre actif d'une douzaine d'associations culturelles et environnementales. Il est par ailleurs membre actif de la société d'ornithologie de Polynésie, dont il a été président pendant 5 ans et il est coordinateur pour la région Pacifique du comité français de l'UICN. Donc, félicitations tous les trois. Et la dernière catégorie du prix océanien pour la protection de l'environnement est celui de championne de l'environnement dans le Pacifique qui est décerné à Madame Sue Miller Tai de Samoa. Nouvelle-Zélande, post-mortem pour toute une vie d'engagement en faveur de l'environnement. Je passe la parole à sa fille, mademoiselle Gillian Tai. Talofalava, oloingo, o Gillian Faluseta e, malo le soifua, e mua mua ona si ilevi inga ili atua ona olana tausinga, o tato feloa iai, male manuia lene aso. Ave a ia au e whai masui o le mātou a inga e momole atu ai le mātou whatai tele lava. I loo tō mamalu, ona o le tō amana ia, o le tīnā
Olene Ainga, Fafsai, Fafsai, Fafsai Te Lava. Talofa, I am Jillian Faluse today, but most of you probably know me either as Sue or Falipul's daughter. Firstly, I would like to acknowledge the Honourable Chair and Honourable Ministers and everyone who is attending this event and say huge congratulations to all the winners. I have no doubt that each and every one of you are incredible in your fields and deserving of your awards. I would also like to say a huge whaftai tele lava to Sprat, not only for hosting this online event, but for hiring my mom way back in the 90s, because otherwise I truly wouldn't be here today. My mom and dad met at Sprat, and therefore I am also known as a Sprat baby. It's funny how these things come in full circle. My mom achieved many things in her life, and with these projects were incredible people beside her supporting her vision and vice versa, but I'll just name a few. In Samoa, she inspired the first marine protected areas. In Kiribati, she worked with President Tong in the creation of Phoenix Island's protected area. In the Cook Islands, my mom helped write the legislation for the creation of Marae Moana. And in Palau, she worked on the marine protection legislation. These are vast areas of the planet. My mom touched them all. My mom was the kind of person who would have suggested at least five other people who she thought were more deserving of the Pacific Champion Award. She believes in the Pacific leading the world in climate action, using our Pacifica knowledge, traditions, and values to navigate the solutions to climate change. This is still incredibly relevant today. Lastly, I would like to acknowledge my dad, Falipulse A. Mama, who taught my mother the Samoan and Pacifica way, who taught her how Pacifica see their land and oceans within themselves and their cultures, how we are all connected. Without my dad, my mother wouldn't have been able to connect with Pacific leaders and communities the way that she did. And I truly believe that before any change that can be made, that kind of teaching is what the world needs so that we can fight all the challenges climate change brings. Whaftai tele lava for honoring my angel with such a prestige award, for reminding me and my family of her incredible work, for keeping my mother's memory and legacy alive in the Pacific. Whaftai, whaftai, whaftai tele lava. Merci, merci. Thank you, Jillian, for this award. Thank you, Jillian, from those words, from you, ma'am. On est arrivé au terme de cette cérémonie de remise de récompense. Je remercie de nouveau tous les lauréats pour vos engagements dans la protection de l'environnement du Pacifique. Je tiens également à remercier l'ensemble des invités à cette deuxième édition de remise des prix océaniens pour la protection de l'environnement des îles du Pacifique. À tous pour votre augmentation, je passe la parole à Monsieur Kossi Latou. And also would like to say thank you very much. Whaftai lava, Uleti, God bless you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Charles Weir, for taking the time to make those announcements. And can I say that we want to also from here congratulate all of the winners who are worthy of as recipients. So thank you very much for also the Honorable Minister and the Government of New Caledonia who hosted this conference where these leadership awards are a part of. And just wanted to say that the beautiful trophies that you are seeing being held up are currently in New Caledonia, and SPREP will be organizing to send them to the winners very shortly. So we invite the countries of the winners to celebrate with the winners locally through their own ceremonies, media stories, and other activities. So thank you very much to the government of New Caledonia, and through you, Mr. Charles Weir, please convey our gratitude to the Honorable Minister and the President and the people of New Caledonia for hosting such a wonderful conference last year and continuing the momentum right up to these awards today. Thank you very much. Thank you very much. I want to finish off by saying that the next round of the Pacific Environment Leadership Awards will be in 2025
This will be, of course, aligned to the 11th Pacific Islands Conference on Nature Conservation and Protected Areas. We encourage you to submit nominations for these prestigious awards when the next round is announced in a couple of years. To learn more about each of these Pacific Champions and Awards, you can visit the SPREP website.